Ma Mission TV, le miroir du monde. Dénonçons et condamnons la persistance de l'insécurité et des massacres à répétition de nos compatriotes à l'est de la RDC. Demeurons convaincus que la pacification et la sécurisation du territoire relèvent de la responsabilité première des Congolais. Interpellons sans exclusive toute la classe politique, la société civile et le média quant à notre responsabilité partagée dans ces drames. Exigeons aux auteurs directs et indirects l'arrêt immédiat des tueries de la population civile. Recommandons à toute la communauté nationale de considérer la situation de l'Est non plus comme une priorité, mais comme une urgence et de lui accorder une prise en charge nationale, particulièrement au chef de l'État et au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour mettre fin définitivement à ces tueries. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel lié notamment à sa sensibilité politique. Il est bien évident que chacun de nous peut émettre des observations positives pour construire quant à ce qui concerne la procédure d'enclenchement d'un état de siège, quant à l'opportunité de tel ou tel autre aspect de l'état de siège, notamment le fait que les compétences pénales des juridictions des droits communs pourraient revenir aux juridictions militaires. Ma Mission TV, le miroir du monde. Décréter un état de siège. Merci.
expertise portée par ce groupe, le collectif de présidents de chambre en République démocratique du Congo, nous nous sommes assignés comme devoir de pouvoir réfléchir de manière froide, transparente, en dépassant les sensibilités politiques des uns et des autres, parce que chacun de nous peut avoir sa sensibilité politique. Voilà pourquoi, compte tenu de la situation récurrente d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, in tempore non suspecto, nous avons réfléchi et signé notre déclaration. Et je vous ai dit, c'est du 28 au 30 avril. Puisque nous sommes respectueux des règles républicaines et donc de toutes les institutions, nous ne pouvons que souhaiter vivement que l'option levée par le président de la République, par le gouvernement de la République, puisse réussir, puisse aider la République à mettre fin une fois pour toutes à ces exactions massives, ces crimes internationaux perpétrés depuis des longues années à l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel lié notamment à sa sensibilité politique. Il est bien évident que chacun de nous peut émettre des observations positives pour construire quant à ce qui concerne la procédure d'enclenchement d'un état de siège, quant à l'opportunité de tel ou tel autre aspect de l'état de siège, notamment le fait que les compétences pénales des juridictions des droits communs pourraient revenir aux juridictions militaires. Mais tel n'est pas l'objet, l'objectif du collectif des présidents des chambres. Voilà la réponse que nous vous réservons. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, parce que en tant que haut responsable ayant géré une institution aussi importante pour la République, le Parlement, nous devons être suffisamment critiques. Si vous voulez avoir le point de vue de chacun de nous, nous demeurons ouverts. Mais pour l'instant, il s'agit d'une déclaration du collectif qui a condamné et qui a suggéré des pistes de sortie. Merci. Déclaration du collectif des anciens présidents des chambres du Parlement de la RDC. Nous, les membres sous-signés, tous anciens présidents de l'Assemblée nationale ou du Sénat, inspirés et guidés par notre expérience tirée de la gestion du pouvoir à la tête du Parlement, face à la spirale de violence dont est victime la nation congolaise, affirmant notre volonté collective d'œuvrer pour la consolidation de la démocratie, de l'état des droits, de la paix, de la sécurité et du développement de notre pays. Préoccupés par l'aggravation et la persistance des tueries atroces et massives de la population civile, particulièrement à l'est de la RDC, dans un cycle de guerre asymétrique marqué par des actes d'un terrorisme des plus complexes, rappelant l'Holocauste du siècle dernier. Dénonçons et condamnons la persistance de l'insécurité et des massacres à répétition de nos compatriotes à l'est de la RDC. Demeurons convaincus que la pacification et la sécurisation du territoire relèvent de la responsabilité première des Congolais. Interpellons sans exclusive toute la classe politique, la société civile et le média quant à notre responsabilité partagée dans ces drames. Exigeons aux auteurs directs et indirects l'arrêt immédiat des tueries de la population civile.
recommandons à toute la communauté nationale de considérer la situation de l'Est non plus comme une priorité, mais comme une urgence et de lui accorder une prise en charge nationale, particulièrement au chef de l'État et au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour mettre fin définitivement à ces tueries. À la classe politique, de faire taire les querelles partisanes et de se surpasser pour construire un consensus autour de la question sécuritaire de l'Est. À la société civile, de s'impliquer plus activement dans la sensibilisation de la population de l'Est du pays afin d'accompagner nos forces armées dans le combat contre les terroristes qui endeuillent la RDC. Aux pays amis et frères, membres de la communauté internationale, d'accompagner l'État congolais par une assistance logistique et d'expertise dans la lutte contre ces terrorismes. On signait cette déclaration. Aubin Minaku Njalanjoku, Léon Kengo Wadondo, Thomas Lua Kalo Senjola, Evariste Boshaba, Philomène Omatou, Alexis Tambwe Mwamba, son éminence le cardinal Monsengo Laurent Passignan, Olivier Kamitatu Etsu. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, honorable. On me l'a si bien dit. Ma mission TV, le miroir du monde.